Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les vlogs de Linda, vidéo à BM, à Saint-Brice-sous-Forêt. Je vous montre le rayon petit mobilier. On va commencer tout de suite avec cette étagère. C'est très original, on aime ou on n'aime pas. Donc là, on a deux modèles, on a celui-ci et celui-ci pour le coin. Donc là, ce modèle pour le coin, il fait 30 par 22 par 80 de hauteur. Et l'autre modèle, il fait 29 par 24 et 80 de hauteur aussi. Au même prix. On a celui-ci à 20 € et là c'est 15 €. J'arrondis. Hein. On a ces poufs avec les pieds en métal doré. On a du rose et du jaune. Il est à 20 € ce pouf. Et il fait 30 par 30 par 36 cm. On a aussi ce meuble de rangement tout en métal. Donc on a 4 niveaux. Il est sympa celui-là. Salle de bain, cuisine, surtout salle de bain, je dirais ça. Il est, je pense, gris anthracite. Il fait 33,5 par 27,5 et 11 et 116 de hauteur. 17,99 €. Ah, c'est bien ce meuble, c'est original, regardez. C'est très sympa. On a des étagères ici, pourquoi pas salle de bain, ça peut être pas mal. On a deux portes ici en bas. 32,99 € pour ce modèle. Il fait 30 par 15 par 118 cm de hauteur. Alors ici, meuble sous vasque en bois, style industriel avec les pieds en métal noir. Alors ce modèle, il fait 60 par 30 par 60 cm. Il coûte 40 €. Voilà, meuble tiroir sous vasque. On a aussi ce modèle, donc là c'est pour la salle de bain aussi, avec miroir, étagère. C'est blanc, il fait 56 par 13 par 58 cm. C'est dommage, mais j'ai pas le prix, hein. Vraiment désolé. Là, c'est une petite étagère avec miroir. C'est 40 par 13 par 42,5 à 17 €. On a ce modèle qu'on peut mettre si vous avez un petit coin à côté de les toilettes. Ça peut être sympa. Ça prend pas beaucoup de place. On a un tiroir en fait que vous allez glisser pour mettre la réserve des papiers toilettes. On a un petit tiroir ici pour mettre ce que vous voulez. Et là, on a des rangements ici. Dès que vous tirez le tiroir assez long là, ça c'est vraiment génial. C'est 45 €. Il est blanc. Les dimensions, j'ai oublié, 16 par 48,5 et 58 de hauteur. On a aussi ce modèle, toujours style industriel, qui peut aller avec le meuble que je vous ai montré, le meuble en bois marron. Alors celui-ci, il est avec un miroir, c'est une sorte d'étagère avec miroir coulissant. Donc ça coulisse de gauche à droite. C'est 48 par 13,5 et 48 cm. Voilà, c'est miroir coulissant, c'est magnifique. 30 €. C'est bois et métal noir. Donc je pense que vous pouvez faire un ensemble, hein, les amis, dans la salle de bain. Hein. Donc la même chose, hein, qui complète le meuble que je vous ai montré. Pareil, pied et le meuble était en bois. Donc justement, on voit ici le meuble sous vasque que je vous ai montré. Donc on a la colonne ici, on a 3 niveaux plus la porte. Elle fait 30 par 30 par 160 cm. Il y a aussi du blanc. On a celui-ci pour les toilettes, ça c'est sympa. Deux étagères plus deux portes avec les boutons en métal chrome. Ce modèle, il fait 64 par 19,5 par 178 cm. Ça convient lave-linge et toilette. C'est dommage, j'ai pas le prix. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très, très, très embêtant. Alors, celui-ci, la colonne blanc en blanc avec deux niveaux plus deux portes, 44,99 € pour ce modèle. Les dimensions, je vais essayer de voir si je peux trouver les dîmes. Ah, c'est ça, 30 par 80 par 160 cm pour ce modèle. Il y a des belles pièces, hein, des très très belles pièces. On a ce modèle aussi en blanc. Celui-ci, il est avec 4 tiroirs en blanc. Il fait 28 par 28 et la hauteur, c'est 78. 40 €. La même chose, la même gamme, on a cette colonne. 3 niveaux ici avec la porte, toujours avec le bouton en métal chrome. C'est 30 par 30 et la hauteur, c'est 160 cm. 60 € pour ce modèle. Là, c'est meuble à chaussures. Donc, on change de rayon. C'était salle de bain, il y a pas mal de choix. Là, c'est meuble à banc aussi, à chaussures, style industriel, bambou et métal noir. 20 €. Voilà, les dimensions, c'est 70 par 26 par 33. À 100 €, on a aussi cette commode, en fait, avec la porte ici en métal grillagé. On a 4 tiroirs, c'est style industriel, bois et métal, 100 €. Les dimensions, c'est 80 par 35 et 82 cm. C'est beau, hein?
Après, il faut aimer ce style. Alors, petite table d'appoint. Elle fait 38 par 38 par 38,5 de hauteur. Donc doré et le plateau est noir, amovible, 20 euros. Ils ont pas mal d'étagères comme ça, en plusieurs formes. Noir ou blanc, il y a aussi doré. Ils ont énormément de choix si vous cherchez ce style de déco, en fait, d'étagères murales. Ça peut être sympa. Regardez, il y a carré, on a rond, on a. Franchement, il y a énormément de choix. On a celui-ci aussi qui est pas mal. Regardez. Bois et métal doré, petite étagère. Il y a aussi du blanc et du noir. C'est 8 euros pour celle-ci. Elle fait 48 par 12 par 20. Le modèle carré qui est ici, c'est fourni avec les vis, bien sûr. 40 par 10 par 40. Et 15 euros pour le prix. Là, c'est rond. 18 euros, noir ou doré. Je vous montre la photo. Ils ont beaucoup de choix. Ils ont des petits formats ici. Par exemple, là, c'est pareil, deux pièces, le petit, le grand. Le petit fait 18 par 10 par 18. Et le grand, c'est 21 par 10. 7 euros les deux. Il y a aussi le grand ici, mais c'est pas la même chose. Donc là, c'est doré, on a deux pièces. Hein. 30 par 15 par 30. Et le petit, c'est 25 par 12 par 25. 10 euros les deux étagères en métal doré. Il y a aussi cette forme-là, 7 euros les deux. 30 par 10 par 27 pour le grand. 27 par 10 par 24 cm. Et on a aussi le plus grand format. Donc celui-ci à l'unité avec plusieurs niveaux. Il fait 50 par 10 par 50. 18 euros en doré. Meubles à chaussures, les filles ou les garçons, 44 euros et 99 centimes. 3 tiroirs. Ce meuble, il fait 50 par 24 et 125 cm de hauteur. On a aussi un modèle en blanc. Petite table d'appoint en métal doré. Elle est toute petite, mais elle est super sympa. 10 euros. Coup de cœur pour ce modèle. On a la grande et la petite. La grande, elle fait 37 par 50 de hauteur, maximum 6 kg. Elle est avec le plateau en marbre véritable. Les pieds en métal doré, 35 euros. Et aussi la petite. La petite, elle fait combien? Je vais essayer de voir les dimensions. C'est 27 par 40 de hauteur et elle coûte 23 euros. Et on finit avec cette coiffeuse rose avec les pieds en bois. Petit miroir. Elle est très sympa. Hein, vraiment. Elle est très jolie, très sympa avec le miroir comme ça. Donc elle coûte 70 euros. Et elle fait 70 par 39 par 119 jusqu'à 129 cm. Donc c'est réglable. Et on a aussi cette étagère. Métal et bois, style industriel. Elle est très sympa, cette étagère. Elle fait 80 par 30 par 80, pardon, 80 par 30 par 180 cm de hauteur et elle coûte 65 euros. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait cette desserte. Bah alors, à 40 euros, desserte les filles avec les roues. On a deux niveaux ici en bois. Ici, c'est des paniers en métal qu'on peut retirer, un petit tiroir, et là au-dessus, c'est en inox. C'est 47 par 37 et la hauteur c'est 83 cm. Et on a dit 40 euros. Et aussi ce modèle sous vasque que je ne vous ai pas montré, avec les boutons diamants. C'est 60 par 30 par 60 et c'est 45 euros. Qu'est-ce qu'on a côté salle de bain? Bonne question. On a cette sorte de trolley. Dessert trolley et qui fait 36 par 15 par 74,5 cm, 100% bambou avec 4 roues, 20 euros. Je voulais vous montrer pour finir la vidéo ces deux modèles. On a ici argenté en métal et on a aussi bambou et métal pour accrocher les serviettes à côté du radiateur, pourquoi pas dans la salle de bain. Donc ici on a une petite étagère, là les barres sont en métal, 100% bambou. 32,99 pour ce modèle. Et je vais essayer de voir les dîmes si je trouve. On a aussi celui-ci. Pareil, une petite étagère ici. On a trois barres. Et ce modèle, il coûte 24,99. J'essaie de voir les dimensions, mais je pense pas qu'ils sont dispo. Non. Ah si, c'est là. C'est là, c'est là.
Alors, la dimension latérale montée, 52 par 85 et 31 cm. Et celui-ci, il fait 83 de hauteur, 60 de largeur et la profondeur, c'est 28,5. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour avec moi. Excellente journée à tous. Je vous mets la vidéo que j'ai postée juste avant, ici.